Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3 avec les États-Unis et le début de la guerre depuis quelques mois. Le Mexique qui va pas tarder à tomber, je pense. Le problème, c'est que c'est en montagne donc ça prend du temps. Mais je me dirige bel et bien vers ces points de victoire. L'Irlande, bien pour l'instant, j'ai juste fait un petit débarquement histoire de déjà m'assurer. Un port. Je suis sûr que le port il est pas en Irlande, il est en Angleterre là. Et comment je fais pour remonter chez moi? Je ne peux pas. Ça c'est chiant. C'était pas bien. Il n'y a pas de port sur cette province. Ça va être problématique. Non, c'est pas grave, les renforts arrivent. Il faudra faire avec. Comment je vais m'arranger? Le problème, c'est que j'ai pas la distance pour débarquer, je crois. Ou peut-être sur ce port-là, en tout cas sur celui-là, je l'ai pas. Donc c'est un peu problématique. Bon, pour l'instant ceux-là vont rentrer. Ils vont rentrer ici. Et je vais venir avec ces troupes-là, mais c'est vrai que là, c'est un peu la mauvaise surprise. Alors, croiseur léger. On sera à jour. J'ose pas accélérer la vitesse. Il pourrait se passer des choses, il faut que je surveille quand même. Bon, encore une île perdue au profit des Japonais. Ah, pardon, j'ai pas relancé la partie. Alors, les îles Christmas. Alors, je vais quand même peut-être les défendre si elles sont à distance. J'ai l'impression que celles-là sont à distance. Je vais y aller avec ce groupe-là. Non, ils ont pas l'air d'être à distance. Putain. Je suis obligé de faire un redéploiement. Là, ça va être chaud, hein. Il faut que j'arrive à survivre sans ravitaillement. Sans base aérienne, rien. Il n'y a rien. J'ai un mois, je peux vivre sans moi, un mois sans. J'ai déjà perdu, là ils ont débarqué super vite. Laisse tomber. Il reste plus que les îles Johnson que j'ai réussi à défendre. Je vais me positionner là-bas. Je crois que c'est mon point le plus avancé. Après, il y a vraiment des îles sans vraiment d'importance. Celle-là, à mon avis, il va pas s'y attaquer tout de suite. Même pas d'aéroport. Alors là, je vais pouvoir attaquer sur. Ah bah, j'ai même pas besoin d'attaquer d'ailleurs, il n'y a plus personne. Ok, c'est parti. Irlande débarque à Reykjavik. Ah bah, ça, je suis assez étonné qu'ils arrivent à organiser ça. J'espère arriver à temps. Ici, tout le monde est presque arrivé. Japon débarque à Samoa. Ah. Ouais, ça c'est trop loin pour que ça m'intéresse. Ok, c'est parti. On va aller à Reykjavik. Je vais lui mettre. Un général, peut-être pas une vieille garde parce qu'il va pas. Il n'y aura jamais d'expérience. Déjà que sur des transporteurs, il va pas gagner beaucoup d'expérience à mon avis. Alors je vais intercepter. Ça je m'en fous. Je vais intercepter la flotte. Oh, putain. Alors la bataille pour la capitale,
est gagné. Les îles Johnson, on va voir ce qu'il a. Croiseur léger, c'est bon. J'arrive pas. Ouais, il a pas grand chose, mais je vais quand même venir avec cela. On ne sait jamais. J'ai déjà coulé un navire irlandais. Je reprends la vidéo, j'ai été interrompu. Donc les Japonais qui me surprennent de plus en plus avec des attaques incessantes. Alors je crois que je vais réussir à sauver les îles Johnson si j'arrive à me sortir de cette bataille. A priori ça va être bon, il lui reste plus qu'un porte-avions. Ouais, j'espère. Hein. Les autres arrivent. Pourquoi ils perdent pas de points de vie? Ah voilà. Mais ils sont quand même en train de gagner, c'est ça qui m'épate. Malgré tout. Ah par contre là j'ai encore des avions qui arrivent. Merde, j'arrive pas à cliquer sur la bataille. Alors j'ai 25 navires, j'en ai pas perdu pour l'instant. Mais pourquoi ils se battent pas? Parfois, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre dans ce jeu. On a 25 navires, il en a 5. Et c'est un peu le statu quo, personne ne perd rien. Mes avions. Ah, j'ai du mal à cliquer sur mes avions là. C'est pareil, ils font pas grand-chose. Alors, eux, ils sont où? Ils arrivent. Toujours le statu quo, là, il se passe rien. Pendant ce temps-là, ils sont en train de prendre l'île. Là, la bataille s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. Mais par contre, le débarquement, lui, il continue. Ah. Et merde, ils ont réussi. Par contre, là. Ouais, bon. Incompréhensible, parfois. Bon. Bah, je vais rentrer, mais ce qui m'inquiète, c'est que s'ils font pareil par exemple sur Hawaï, ça veut dire qu'ils vont gagner tout aussi facilement. Et c'est ça qui me dérange en fait. C'est que même quand j'ai 25 navires contre 5, la bataille n'a pas lieu, il se passe rien. Et ils débarquent tranquillement. Enfin bon, c'est comme ça. Là, je vais pouvoir attaquer. Le Mexique, lui, il en a plus pour très longtemps. J'ai plus que 2 points de victoire à prendre, sachant que là j'ai bien avancé déjà. Alors voilà, c'est ce que je prévoyais. Et du coup là je sais pas comment on va faire. Ça dépend ce qu'il a. Oh putain, il a plein de navires en plus. Déjà que quand il n'en a pas beaucoup, c'est difficile. On les touche pas, je sais pas pourquoi. Ouais, je vais fuir. J'abandonne Hawaï. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas non plus envie de perdre toute ma flotte. Dès les premiers instants de la guerre. Je préfère me replier et revenir un peu plus tard. La question c'est, nous reste-t-il des îles? Pas vraiment. Je ne crois pas. J'ai encore attendu une journée. Ah merde, c'est déjà...
Ah, ils ont pas débarqué où il fallait, visiblement, donc ça me laisse un peu de temps. Autant qu'ils fassent le trajet. Ok, je vais rentrer chez moi. Et je vais préparer ma vengeance. Ici, tout le monde est arrivé, je peux embarquer. Alors, la question c'est, est-ce que je peux débarquer ici? Non. Ah, par contre, je peux aller ici. Je vais faire ça. Je vais essayer d'y aller et de débarquer comme ça. A priori, on peut le faire, mais j'ai jamais testé. On verra ce que ça donne. Là, il commence à avoir beaucoup d'unités. Je pense que j'ai quand même la supériorité technologique, mais le problème, c'est que bientôt, je vais manquer de ravitaillement. Moteur de croiseur léger, ok. Alors ça c'est les navires de guerre. Maintenant les transporteurs sont beaucoup plus lents. D'ailleurs je sais même pas où ils sont. Ils sont pas partis. J'ai pourtant donné l'ordre. Je sais pas si je l'avais donné. Ok, là il va me falloir des convois. Ah, j'ai dit qu'il fallait que je lance de l'industrie. Ok. Alors, j'ai 475 de disponibles. Donc je pense que je vais y consacrer 10%. On va voir combien ça me fait à peu près d'industrie. Ouais, on va en mettre 20 comme tout à l'heure. Ça fait un peu plus de 10%, mais c'est pas grave. Donc là, je dirais que ça passe pas. Ah non, il a encore eu des renforts, donc je vais arrêter. Ah, je me méfie, hein. J'ai pas trop envie de me prendre une contre-attaque. Voilà, comme ça. Par contre, sa contre-attaque, elle passera pas. Ça, c'était l'avant-dernier point de victoire. Et il manque plus que la capitale. Ok, tout le monde est arrivé. Ah, j'ai lancé mes deux flottes. Ah, c'est pour ça tout à l'heure que je m'étais trompé. J'avais une flotte de transporteurs vide. Et là, je peux envahir. Alors, c'est un peu n'importe quoi. On peut pas en partant de l'île directement, mais on peut en étant sur place. Voilà, je pense qu'il va céder, il va arrêter de m'attaquer. S'il n'a pas de renfort à temps, c'est bon. Bon, dès que je suis sur place, j'attaque la capitale. Voilà, en sandwich. Alors l'autre point de victoire, il est un peu loin. Je vais quand même essayer d'y aller à pied. Mais eux, ils vont surtout attaquer comme ça. Lui, il va repartir par là. Donc, je crois qu'il n'y a pas... Voilà, il n'y a rien à Dublin. Donc, ce qui fait que ceux-là... Si, ils vont y aller. Je vais tout de suite réembarquer et attaquer Cork par la mer. J'envoie quand même une unité par la terre au cas où. Mais je pense que le débarquement sera plus intéressant. Ok, là c'est comme si c'était fait. Ici, mes divisions sont prêtes à la rigueur. Elles vont pouvoir attaquer le pays suivant, Guatemala.
J'aurai une base aérienne ici. Alors là, il faut encore de nouveau que je consacre un peu plus. Ok, c'est parti. Tout le monde va rentrer. Merde. Tout le monde va aller là. Ok. Navire de guerre. Il va tout de suite partir. Il manque un navire dans ma flotte de transporteurs là. Ah, il manque un croiseur lourd. Bon, celle-là est pour partir à la maison. J'en ai pas besoin de deux. Ensuite, là j'attends ma deuxième unité pour débarquer. Je préfère quand même essayer de débarquer avec deux unités. On ne sait jamais s'il y a de la défense sur cette ville. J'aimerais pas que ça tourne mal. Merde, contre-attaque. Faut vraiment que je me dépêche de gagner parce que j'ai pas envie de perdre un corps entier. Ça serait regrettable. Allez, c'est parti. Pour ce qui doit être le dernier débarquement de cette guerre. Ouais, je débarque sur place. À mon avis, il a amené la plus grosse partie de ses troupes ici. Je trouvais qu'ils étaient nombreux pour une armée d'Irlande en 1941. Donc je pense que ça va être vite fait. Il n'y a personne à défendre Cork. Bon, les Japonais ont l'air provisoirement calmés. Là, je vais faire un peu plus d'espions. Je peux arrêter d'ailleurs. Comment je vais faire? Je vais voler de la technologie aux Allemands, peut-être maintenant. Plus besoin d'augmenter la menace. Là, par contre, je peux d'ores et déjà arrêter le Mexique. Allez, sérieux, il faut qu'elle tombe cette ville, non? Ça, c'est mon théâtre de guerre qui était dans le Pacifique, qui a été repoussé ici. Pour l'instant, il va y rester. Bon allez, j'aimerais bien qu'ils arrivent maintenant. Ok. Donc j'ai annexé l'Irlande. Et est-ce que je vais pas annexer aussi le Mexique? Oh, sérieux, j'en ai marre. Il y a quoi en défense là? Ah oui, quand même, il a ramené ça. Ouais, ça tiendra pas, je pense, mais du coup, ça m'arrange pas du tout. Ici, j'ai ramené des troupes. Là, qu'est-ce que je fais? Quand même bien attaqué. Ouais, il perd relativement vite, j'ai bon espoir que ça suffise. Est-ce que mes bombardiers sont à distance? C'est même pas dit. Si. Donc je vais y aller. Je dois avoir un autre groupe quelque part, ouais, il est là. Donc l'Irlande, ma première prise, entre guillemets. La deuxième, ce sera sans doute le Portugal. Par contre, le Portugal demande un peu plus d'organisation. Mais en partant de l'Irlande, ça me paraît assez simple. Ce que je vais faire, ce que je vais tout de suite commencer à faire, c'est améliorer
ce port là. Ouais, tant pis, j'ai commencé. J'aurais peut-être dû faire celui-là, il est un peu plus. Ouais, il est déjà au maximum. Pas très important. Qu'est-ce que j'ai? J'ai laissé le. J'ai laissé le corps sur place là. D'accord. Bon, je vais m'intéresser au Portugal maintenant. Ah, il y a de l'aviation mexicaine. Ça se passe comment là? C'est pas gagné, hein. Ah, ils font de la résistance, ça m'embête. Il va falloir que j'avance. Pour, on ne sait jamais si vraiment les choses se mettent à mal tourner. Bon, ici, je pense que. Non, ça peut pas mal tourner, honnêtement. Mexico va bientôt tomber. C'est leur dernier point de victoire. Bon, je vais pas regarder ça tout le temps parce que sinon, je vais rien faire. Alors, pour le Portugal, je pense que le plus simple, c'est d'abord de débarquer ici. Non, il y a un corps qui va débarquer sur Porto. Un autre qui va débarquer ici. Et puis après, il faut que je fasse le tour de toutes ces colonies. Et ça, ça va être chiant. Ça, j'espère que c'est pas un point de victoire. Difficile à dire. Non, c'est bon. Le plus important étant ici. Je sais plus où c'est exactement. Là. Nova Lisboa. Il faut absolument que je fasse ça. Sinon, il n'y aura pas de victoire possible. Donc, il me faut deux transporteurs. Je vais bel et bien utiliser celui-là. Je vais aller prendre le corps qui était resté à traîner. Pourquoi je peux pas embarquer si je peux? Je vais me mettre ici. Celui-là, il va aller là. Donc, tout cela. Ils vont aller là. Le navire, il peut rentrer au port dans l'immédiat. Voilà, celui-là, c'est fini. Parfait. Donc là, je serai à Mexico dans combien de temps? Dans un ou deux jours, pas plus. C'est le dernier point de victoire, donc ce sera bon. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite, demain matin il me semble, si je ne me suis pas trompé, ou demain ou ce soir, je ne sais plus du tout, j'avoue. Enfin je vous laisse et rendez-vous pour le prochain épisode de ce Let's Play.